santé. Homme.
Reposez. Oh. Repos. Garde. Drapeau du 2e régiment d'infanterie de marine, sans votre garde. Gagnez votre emplacement. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Présenté. Oh. Ouvrez le banc. Général de brigade René Grosjean, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur. C'est le légionnaire qui a... Merci. 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 Bravo. Adjudant-chef Jean Saubion, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. J'ai vu le brouillard que nous formons. Faire l'honneur de vous remettre nous-mêmes de décoration.
Sergent Noël Tribolet. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Soldat de première classe, André Huet. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Premier maître, Yves Guilbeault. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Matelot de première classe, Jean-Marie Damaret. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Reposez. Armes. Portez. Armes. Ouvrez le banc. Caporal Bernard Massé, au nom de la République française, nous vous conférons la médaille militaire. Dragon Georges Desgrais. Au nom de la République française, nous vous conférons la médaille militaire.
Sergent Jean-Claude Tessier, au nom de la République française, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez le banc. Reposez. Armes. Portez. Armes. Ouvrez le banc. Capitaine Claude Genot, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Ça passe. Caporal Gérard Attenot, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Soldat de première classe, Jean Assier. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Dragon Daniel Canal, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Soldat François Tiffen, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier
de l'Ordre national du mérite. À la frontière tunisienne, le 2 juillet 61. Et on est là. Comment ça, Michel ? Saint-Jean, Sud-Manche. Merci, président. Quartier maître de première classe, Henri Bézu. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Fermez le banc. Reposez. Armes. Drapeau, rejoignez votre garde. Décoré, rejoignez votre emplacement. Repos.
Garde à vous. Présenté. Ordre. Monsieur le Président de la République, les honneurs vous ont été rendus par la musique des troupes de marine, un détachement du 2e Régiment d'infanterie de marine composé du drapeau et de sa garde et de deux sections. Une section de l'école des fusiliers marins de Lorient, une section du bataillon de fusiliers marins Amiot-Nainville de Brest, une section d'élèves sous-officiers de la base aérienne 107 de Ville-la-Coublée, une section de la 64e escadre de la base aérienne 105 d'Évreux, l'ensemble étant commandé par le colonel Thomas Rousseau, chef de corps du 2e Régiment d'infanterie de marine du Mans. Reposez. Hop. Repos. Vous avez pu vous voir, alors, vous avez pu me voir.
Ah, c'est une belle maison, vous allez voir. Oui, ouais, je suis en train de découvrir. J'ai pris mes fonctions il y a quelques jours, mais je suis très heureux, très honoré. Ça va ? Ça continue, ça va. Voilà, l'aventure continue. Voilà, merci beaucoup. L'amiral va bien ? Oui. Très résilient, très discret. Non. Oui.
Rien, petits-enfants. Félicitations. Ah, et alors, toi, t'as quel âge? 5 ans. Et toi? 8 ans. Enfin, plus. Okay. Ah, j'ai mis déjà. Thank you.
Parce que quand je demande à ma mère, en général, j'ai un bon choix. Ah bah oui, que... Thank you.
On va vous laisser entre dragons. Bonjour, et un peu au même endroit. Voilà, Landerneau. À côté de Landerneau. Un petit village à côté. Ouais. Oula. Je suis charentais d'origine. Bonjour, madame. Charentais. Bonjour, aujourd'hui. Comment ? Combien de personnes ? C'est 5 clous. À côté de vous. Hein ? Oui, mais il y avait des inconscients. Hein. Je vais accompagner. Mais non, j'étais à 15 ans. C'est pour ça que tu... C'est normal, hein. Et puis donc j'ai fait 5 ans et donc... Tu te retires où? À tout.
plus quoi, en réserve. Enfant. Ouais, impeccable. Il y a un peu d'eau qui a coulé depuis Codiba. Ouais, ouais. Non mais c'est... Et puis on peut pas avoir dîner en bas. C'est-à-dire que les médias aussi...
Je suis de Manche, de Mont-Saint-Michel, de chez nous, de Mont-Saint-Michel.
Et vous êtes natif de là-bas aussi ? À côté. Oui. Et un petit peu bretonne, toi. Et vous vivez toujours là-bas ? Ah, toujours à Bordeaux. Nous, si on veut aller à la plage, on va vers Grandville. Avec nous, on a la Grandville, on va vers Saint-Malo. Bien, ça va. On est enchanté, on est honoré de nous faire nettoyer. Je suis bougeant, oui, et soignant. Je suis bougeant, et bon, par contre, il y a un hygiène de vie, mais bon. Ah oui, on a une hygiène. Bien sûr, on aime bien ce qui est bon dans le verre et dans l'assiette. C'est normal. Est-ce que vous connaissez les Pins Saint-Germain ? Bien sûr. Ah, oui. J'en ai parlé là. Ah, merci. Oui. Nous, nous sommes de. Bah, je connais très bien. Bah, mettez-vous là. Partie des labels français. Le Sénégal. Le Sénégal. Ah, d'accord. Oui. Ah, voilà. Donc, le Sénégal qui m'envoie des courriers régulièrement. Vous le savez de ma part. Alors, vous faites beaucoup d'honneur. Non, merci à vous. Merci à vous. Félicitations. Oui. Le moral est bon ? Le moral est bon, ça va. Ça va. Vous vivez où ? Dans les Ardennes, mais je suis originaire. C'est les aléas de la vie, mais bon. C'est ce que j'ai dit au président, le principal c'est d'être là. Au Ménéloge. À peu près ensemble. Au Ménéloge, et puis après ma mère s'est adaptée. C'est toute sa carrière. On a tout long d'années à Berthier. C'est comme ça qu'on s'est fait. L'hôpital. Et on allait souvent à Berthier, et puis on était à Bella, tout ça. Et à la mémoire. Ce qui fait que j'étais plutôt attiré par la vie, et puis je me suis engagé dans la marine. Le 2 juillet 1960, donc à 16 ans, j'étais dans les écoles de la marine. Et puis moi, je me suis retrouvé après un stage de commande de marine, en pleine baguette de l'archive. Vous avez fait combien de temps ? 2 ans, puis 56, 57. Je suis revenu, je pensais faire carrière dans la marine. J'ai pu arriver quand même l'avion, Côté de Rotel, avec son bouddha blanc. Donc, on est là dans un petit village de 1450, bien au cas. Enfin, Rotel, c'est un peu plus important, mais nous, nous sommes à Château-Pensier. Voilà. Belle forêt, puis en ce moment, les champignons, les cèdres. Bonne journée. Oui, c'est vrai.